Voilà. C'est-à-dire là, ça va être un dangereux. Effectivement, ça va être. Je l'avais raté, non plus. J'ai pas PB. Un PB quand même un peu triste. Parce que à la fin du donjon 7, à la toute fin, il y a des ennemis qui sont des mains. 46, mais j'ai jamais été à 46. J'étais à 43 avant. Un peu de respect, s'il vous plaît. Et donc oui, un PB un peu triste parce que dans le donjon 7, il y a des ennemis phares. Ils sont dans d'autres donjons aussi, mais les mains qui sortent des murs, à la fin du donjon 7, il y en a un qui m'a attrapé. Et ces mains-là, quand elles t'attrapent, elles t'amènent gentiment par un peu des fesses jusqu'à l'entrée du donjon. Je pense que j'ai perdu à peu près 1 minute 30 grâce à cette ce petit événement. Regrette. Bah ben ouais, je pensais pas y rejouer, mais j'ai eu envie. Donc, j'ai roulé. C'est pour les cœurs. C'est bien, ça me mettra la pression et jouera mieux. C'est comme ça que le speedrun avance. Je sais que j'ai beaucoup de temps à gagner, donc... Donne-moi ça. Oh là. Ce cœur était peut-être pas nécessaire... Salaud! Salaud! C'est mauvais, hein. Speedrun, c'est faire le jeu rapidement en fait. Comme tu ne connais pas. Aïe aïe aïe, laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Pas de problème. Là, ça va être compliqué. Je pense que ça va m'améliorer. Déjà, il faut quoi? Je pense que la prochaine étape, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Hein. Clairement, la prochaine étape, c'est regarder des runs pour voir comment les gens gèrent les salles. Même toutes les salles, pas que les salles de combat, mais les salles extérieures aussi. Voilà, je fais n'importe quoi. Parce que mes combats, ils sont passés brouillés. Voilà. Ramasser l'argent, monsieur. Laissons dans l'Overworld aussi. Tout ça. Mais ramasse ça. Et puis savoir. Ça, je commence à mettre. Qu'est-ce que je fais? J'étais parti pour faire le screen scroll, le reflex. Je commence à maîtriser, à savoir
À quel moment j'ai besoin de combien de bombes et de roupies? C'est pas encore bon, hein. Mais ça commence à venir. Oui, avec le pion, ben, je l'ai, le placement, c'est juste que là, j'ai oublié. D'habitude, ça passe. Parce que je suis bête. Ou j'oublie. Enfin, je le connais, je sais pas. Je fais le même que Yiglo. À passer presque en haut, mais pas tout en haut. Et remonter après vers la deuxième. Cassez-vous. Je prends ta rupie. Même si j'en ai pas besoin. Il m'en manque 3. Je crois que j'en ai un peu besoin. Je chopperai sûrement à 5 rupies un jour ou l'autre. Je suppose. Ça va pas être un problème. Il me reste 2 donjons pour choper 3 rupies. C'est vrai. Voilà, c'est ok pour les roupies. C'est slime, cassez-vous, laissez-moi. Laissez-moi en paix. Je vais pas tenter le... Okay. Si... Si je tente... Allez, je tente. C'est passé. Je veux glisser le boss ici. Surprise. Ces mains-là, là. Ces mains-là qui me fait effectivement un message. Un message qui n'avait pas une happy ending. Oui, c'est lui aussi. Bronzo. Ok. J'essaierai de m'en suivre. Je suis la route du tout, beginner. Je suppose qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont. Après la route, c'est pas forcément important dans ce que je veux regarder, vu que je veux surtout regarder la façon de gérer les salles. Alors effectivement, la route définit les salles. Pas que. J'aurais limite pu me passer de cette salle. Là j'ai 14 de trop, il aurait fallu que je trouve 16. C'est vrai qu'il y a des patterns. Si. Ah oui, c'est, je sais pas où vous faites le screen scroll ici, s'il faudrait que je regarde pour aller au donjon 3. J'ai fait sans screen scroll, parce que je trouve ça bien. Je me suis fait toucher pour aller chercher des bombes, hein, évidemment.
Eh oui. C'est ça qu'on apprend quand on devient speedrunner. Il faut réfléchir vite et savoir s'adapter à toute situation. Je sais pas comment les pics ne m'ont pas touché, mais j'ai pas peur. Attention, suspense la bombe, suspense. Ah, pas mal. Ouais, plein de bombes. C'était bon, parti. C'était la siesta. Ah oui, c'est mieux. Je dis pas du tout. Je dis pas du tout le contraire. Ces messieurs. J'espérais que le boss soit coopératif. Fais pas ta pute. Arrête de faire ta pute. Ça aurait sûrement été un gold si je l'avais eu direct. Dommage. Par contre, le troll d'Ongo, Igloo m'a dit que c'était 80-90% de chance qu'il fasse le bon pattern. Sur, je sais pas, 30-40 fois que je l'ai fait, il a dû me faire le bon pattern peut-être 3-4 fois. Hein. Donc, pour moi, c'est pas un troll d'Ongo. Hein. Le troll d'Ongo, c'est toujours. Je ne sais pas si ça a à voir avec les écrans que je prends ou quoi. Mais pas coopératif du tout ce monsieur. Très bien. Donc j'ai que 2 bombes, c'est pas problématique pour le niveau 4, mais j'aimerais bien en avoir plus. C'est pas trop mal, j'ai un peu galéré sur le scroll. Mais... c'est vrai que je pourrais compter le me faire toucher, tiens. Voilà, 1, 2, je me suis fait toucher. Je crois que je suis à 0 du coup. Je me fais toucher au cas où pour être sûr de faire 0. 1, 2, 3. Ça marche. Ok, voilà. Je m'en contente.
coup, c'est que les petites rouges qui comptent. Ok, je l'achète alors. Ok. Et ça compte à chaque fois que tu le tapes ou ça compte une fois? À chaque fois. Ok, tu peux t'amuser à monter tes compteurs. Gratos. C'est pas un très bon split, mais vu que mon PB est très très nul sur ce donjon, je gagne 30 secondes. Réaction niveau 5, et il me manque pas mal d'argent, et je vais me faire toucher pour les bombes. Ah. Retourner. J'ai dit, il faut que je me retourne pour le rocher. Une fois que je l'ai fait, je me suis pas sauvé. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça lui manque pas mal de thunes, donc je vais voir. On va en choper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va péter. Je vais prendre la potion. Pour l'instant, je la prends. J'ai besoin d'aller au ras 2. 7, 8, 0, 1, 2, 3. Ah, la chatte. C'est vrai qu'il y a tellement d'ennemis sur cette plage, je peux juste jouer la chatte. J'ai couru dedans. Voilà. Ça devrait aller. Parce qu'il y a une salle avec 5 obligatoires. Attention. Ok, passion. Level 5.
fallait assez bas, t'es cassé où? T'es cassé où? C'est pas vrai ça. Ça passe plus. Oh mon dieu, temps perdu. Mais c'est quoi 15 secondes? Comment ça va reprendre les épées? Pas ramasser les épées si t'as pas un certain nombre de cœurs. Oui, je veux bien madame la fille. Ah non. Ok. Prochaine. Je pensais pas qu'il y avait de conditions. Dans les cœurs, je pensais les prendre juste pour ne pas mourir. C'est par où la zone? Tout ça. J'ai pas assez d'argent, merde. Ah, c'est pour l'avoir assez. C'est ok. Donc pour l'instant, de toute façon, je joue plus la sécurité qu'autre chose. On verra plus tard pour le gain de temps. J'ai pas eu tant de temps que ça. Merde. Je sais pas avoir perdu la trentaine de secondes que je perds. C'est la rue. Là je vais en gagner beaucoup. Normalement. Si je fais pas de bêtises. On sait jamais. Est-ce qu'il a tourné? Bah oui. C'est une immersion. Je ne sais pas. Pas toujours bien aussi manger. Ce que j'ai dit. Je m'avance peut-être un peu. Ah non, c'était pas ce que c'était pas ça que tu voulais dire. J'ai compris ta phrase. Bah les vieux jeux, a priori, c'est une très speedrun et surtout Zelda en tout cas. C'est une manière de jouer au jeu. C'est une manière de prolonger la durée de vie du jeu, je trouve. D'y jouer même quand tu l'as fini. Une manière d'y jouer d'ailleurs maintes et maintes fois. Le speedrun, je le fais 1000 fois. Ah, ça je ne dis pas.
pas eu le plaisir de ton podcast, j'ai pas eu le plaisir de le découvrir ce jeu du coup, vu que moi je le speedrun directement. Et je dois avouer que du coup, maintenant que je le speedrun, le jeu est un peu gâché pour moi au niveau du gameplay classique. Évidemment. J'ai touché, autant aller chercher ça. Hop. Allez, casse-toi. Bah j'en doute, mais toi oui, vu ce que tu dis. C'est le premier jeu auquel t'as joué. Je sais pas ce que c'est le premier jeu auquel j'ai joué. Ça doit être un jeu Atari ST, c'est sûr. Le jeu de 86. Je suis pas très loin. Je sais quand même pas ce que c'est le premier jeu auquel j'ai joué. Je suppose que c'était un jeu Atari ST, c'est ce qu'a mon père. Et j'y jouais très tôt. Je peux jouer à Zelda. J'ai raté le premier Zelda. Des petites bombes, les amis, peut-être. Alors, Christophe, j'ai vu que t'avais posté un pavé. 2 secondes. Je vais lire ça petit à petit. Je sais pas vraiment. Je suppose que ça doit être un truc complètement game breaking. Que du coup les gens se sont dit bon, on va pas permettre ça. Quelque chose qui change complètement le jeu. Cassez-vous les boules. Sérieusement. Enfin, pas maintenant. Merci les boules. J'ai pas eu la NES, moi j'ai eu la Super NES. La NES, je suis complètement passé à côté. Qu'est-ce que je fais? C'est pas par là, c'est par là. Pourquoi les jeux NES, moi je les ai découverts très tard. Je les ai découverts en rétro gaming principalement. Ghouls and Ghosts, ce genre de jeux ST. Et Zelda, que j'ai découvert il y a peu. Voilà, c'est pas top. Du moins 1 minute. Que j'avais fait n'importe quoi sur le club. Par contre, j'ai qu'une bombe. J'ai le bout de tension. Ah, j'ai pris trop. Ok. Double Dragon 2, bah ça j'y ai joué par contre. Ça je l'avais sur Atari ST. Enfin, je l'avais. Mon père l'avait. Ça, je joue. L'Atari ST et l'Amiga hein, qui se ressemblent beaucoup. Il y avait énormément de jeux qui étaient portés dessus. Ce chat avec ma bombe. Où est-ce que j'en ai plus? Parce que je voudrais bien un peu plus que lui. J'ai regardé s'il rappelait des bombes, du coup je me suis fait toucher. Allez, niveau 6. Ah bah, je peux en avoir sur les magiciens. Et voilà. Oh, pop, 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 c'est la fête. Ah bah, tout va bien. Finalement, les bombes, ça va. J'ai une popo. Ah, c'est une popo rouge, donc ça compte plus. Parce que je suis nul. Je suis nul donc je vais chercher les popos. Les speedrunners ne s'en couvrent pas de ça. Thank you.
Ça bête, magicien. Il y a beaucoup d'objets que je n'ai pas. Déjà, je suis allé chercher la ring. Normalement, dans les speedruns, les gens ne la prennent pas. Dans les bons speedruns. Les gens qui savent jouer ne la prennent pas. Non ! J'ai raté ! Allez, ouvre ton oeil, s'il te plaît. Il vient de se lever. Celui vient de se lever. Encore une belle journée. C'est pas horrible. Je perds un peu de temps, mais... C'est pas... Je trouve ça sympa de regarder des pros faire des runs de façon très très propre et poussée. Je vois pas vraiment comme une compétition en speedrun, c'en est une, clairement. C'est une compétition entre très bon enfant. Yo, est-ce que j'avais fait des bêtises au niveau 8? Bon, j'avais fait un gold. Je peux pas gagner beaucoup de temps. Mais c'est pas en perdre. C'est le temps. Oh le lag des enfers. La boule qui me pousse sur la fée, c'était bon, bien sûr. Ah ouais, t'avais essayé quoi? Comme un speedrun. Aïe. FCE ultra pour. C'est quoi ça? Ah, Zeldin. Zeldin, c'est pas facile. C'est pas le premier jeu. C'est pas le premier jeu que je speedrun, mais c'est pas facile du tout. C'est sûrement le plus dur des jeux que j'ai speedrun. C'est un mois quand même. Ah mais c'est un gold, c'est un gros gold. 15 secondes presque. Je suis débile. J'ai 6 bombes, je peux bien en avoir plus, mais je vais m'en contenter. Si je trouve sur la route, c'est... Ah bah oui, c'est le speedrun en général. Speedrun c'est exigeant et... Ouais. Ah c'est vrai que moi je le vis bien. Je sais que ça peut être très stressant le speedrun. Il est bon. Bien sûr. J'ai perdu un peu de temps. Si j'ai bien fait. J'ai cherché cette fille. Ça pour pas de boule. Du coup, je dois refaire le pas de pain. C'est pas ça.
Bah, l'essence du jeu est perdue, oui. Mais il en prend une nouvelle. En tout cas, c'est mon avis. C'est pas vrai. Okay. C'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu. Mais ça veut pas dire que c'est plus un jeu. J'ai pris cette roupie. Ah oui, non, mais moi je suis nul. Je veux pas mal contre tout. Attention, le skip se battra. Allez! Allez! Ah, je l'avais là. Il va passer. En plus, il laisse tellement tranquille. Allez! C'est pas croyable, j'aurais pu le tuer. Mais. Ah, là, je l'avais tellement. Ok. Oh là 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 là. Il m'a laissé le plus tranquille du monde. J'ai galéré ma mère. Allez, la salle des enfers. Il s'est pas si mal passé. J'ai connu bien pire. Laisse-moi passer. Du premier coup, ça compense. On va passer à travers ce monsieur. Laisse-moi passer, s'il vous plaît. Merci. Je suis sûr qu'on va reprendre la photo. Un de ces jours. Genre, hein. Ah, je peux l'utiliser dans les portes. Donc, ouais, du temps perdu sur la popo. Quelque part au fond de moi, j'avais toujours un peu d'espoir de me faire sans popo. Ah, c'est bon là, c'est pour ça que ça fait chier de l'utiliser. Est-ce que c'est bon? Pourquoi c'est pas passé comme ça tout à l'heure? C'était le stress du patras. Hein? Hein? En parlant de patras. Allez, touche-les! C'est pas vrai ça! J'espère que je parie que ça soit suffisant, 3,5 au pire. Ah oui, je me suis entraîné avant. Ok.
pire, je switcherai sur la popo s'il y a des problèmes. Non. Je préfère pas prendre de risques, tant pis. Je perds du temps. C'est pas le moment, c'est pas le moment de mourir. Non, effectivement, il m'a mis 4 coeurs hein, en me faisant un petit bisou. Hein. Donc il est bien fait. Je me suis trompé le bouton pour la flèche, mais c'est pas grave. Bon. J'ai pas mis un peu de temps. J'ai mis 41-35. J'ai compensé le gros donjon 7000 que j'avais fait. Donc là, ça va commencer à devenir compliqué pour le dessin. Cela, c'était gratuit, hein, d'enlever une minute à chaque fois. Bah, tu peux le voir au niveau 9, là. J'ai gagné 57 secondes, 61.